Notre premier ballon dans les mains des Monégasques et de Mike James, gagné par Jaron Blossom Game. Et Yeo Kogo qui a reçu un bel accueil sur la présentation des joueurs. Eu égard à son passé d'ancien Palois, je présume. Oui, c'est ça, oui, bah forcément, on la connaît, hein, la rivalité terrible entre Limoges et Pau. Voilà, j'ai pas eu besoin de ça. La première attaque Monégasque, c'est avec Mike James. Ah, directement Mike James qui commence par un post-op sur le cabot fort. Et qui commence très très fort, Mike James. Ouais, il a utilisé directement sa puissance et son toucher pour s'imposer face au jeune Lucas Beaufort. Allez, Monégasque qui sort d'une préparation un peu tronquée, avec beaucoup d'absence. Ils ont dû annuler même leur dernier match de préparation. Ouais, beaucoup, beaucoup de blessés, hein, du côté des Monégasques. Donc il y a Hugolin pour tout de suite faire rugir Bon Blanc. Mike James qui veut insister, qui veut y retourner face à Beaufort, ouais. Finalement. C'est pour Okobo avec 5 secondes. Step back et ficelle pour Eli Okobo. Les deux tauliers pour accélérer. Allez sur Blossom Game. Ouais, il est orienté, hein, Blossom Game sur la ligne de fond. Oh, c'est parfait ce qu'ils font les Monégasques pour l'instant. Ouais. Eli Okobo, il n'aime pas qu'on ait trop de temps comme ça. Ah, ça va vite de l'autre côté. Bravo. Qui enfin. Plus de fautes en Euroleague et en championnat. Donc là, il a joué à l'expérience, hein, sur Lucas. Okobo. Et Okobo qui est passé, qui va claquer. La réponse de l'ancien Palois à Beaublanc, elle est déjà là. Oui, oh, il y a eu une petite incompréhension défensive là pour les joueurs. Ouais. Chasson qui n'a pas pu être libéré malgré un ballon glissant. Le voilà, Chasson l'extra passe. Ouais, Hugo Léon en deux temps, que c'est bien joué. Limoges va passer devant sur cette attaque de cercle. Oui, la faute encore. Limoges espère le fer de lance du CSP cette saison. Voilà, il a montré. On voit Ilias Kantzouris accroupi et qui va se relever pour peut-être célébrer le panier en deux temps du Limoges CSP. Chasson qui avait suivi derrière Beaufort. Ouais. Avec Chasson qui a bien suivi là, Lucas Beaufort. Là, c'est l'un des fondamentaux des pivots, avec un petit peu des ramasse-miettes là derrière. Le fun game, il y avait un espace, il ne l'a pas pris. Mike James, tranquille. Ah ouais. Quelques pas de recul face à Hugolin. Allez, il faut trouver le joueur ouvert, c'est Terry Tarpey dans le coin. Ah, bien joué. Alors, le fun game. On va trouver McGusty à 45 degrés, un peu court. Et ça se bat bien derrière pour Hugolin. Ça file sur la ligne de lancer franc. Ouais. Ah ouais, là, sur ce début de match, on peut dire les enseignements qu'on peut tirer du CSP, c'est qu'ils jouent très bien collectivement et qu'ils ont la bonne idée aussi d'aller au rebond offensif. Peter Corneli également a fait son apparition. Lui, c'est un retour en France. Mike James. C'est... Ouais, il a fait une passe décisive au CSP, Corneli. Une grosse défense là de Mike James. Et ballon gagné. Oh, de temps finalement récupéré par le CSP et par Hugolin. Ouais. Ils ont faim, les Limougeaux. Et Diokobo qui met en place. Ah, y a, ça s'est complètement ouvert. Ah ouais, là, il y a eu un. Pour Peter Corneli, à 3 points dans le coin. Spécialité. La relance, ça va vite dans les mains de Ouattara qui retourne au cercle. Corneli est là pour ramasser les miettes. Ouais. Cette capacité-là, vraiment bien courir, hein, Corneli sur les contre-attaques, rester derrière, récupérer les rebonds offensifs ou finir au dunk. Et Monaco qui peut peut-être faire le plus gros écart de ce match sur cette fin de premier quart. Pour l'instant, Limoges avait tenu. Oh, c'est joli, ça. Bon, il a été bien pris par la défense, bonne rotation. Un contre un. Ah, main droite. Oh, wow. Attrapé si haut par Chitou. Là aussi un pari, hein, de ce CSP. Appleby qui ressort. Voyage bien. Et le fini à l'ouf pour trouver justement Chitou. Ouais, superbe là, la fixation de Mathieu Vautier.
Bon, je dis pas Wojciechowski parce que... Vous savez le dire pourtant. Ah mais bah, c'est vrai. Hein. Bah, je me suis entraîné, j'ai joué avec lui. Hein. Du coup, je m'entraînais tous les jours à dire son nom de famille correctement. À la passe, wow. Parfaite pour Yacouba Ouattara. Victor Cornelia après une petite passe à terre. Limoges qui plie doucement mais qui est toujours très largement dans cette rencontre. Okobo, la main sur le cuir quasiment pour Beaufort, mais Okobo a dit non, ouais. Je vais le mettre ce panier-là. Là, il doit jouer. Gêné par Mike James dans un deuxième temps, chassant au sol, Beaublanc qui hurle, et John Brown de l'autre côté qui exulte. Il ne peut pas se lever, Nenadic, on va trouver Nicolas Lang. Allez, il faut jouer un peu de jeu intérieur, ouais, bonne fixation. Pour Magnussi, voilà. Enfin. Voilà. C'est pas trop quoi faire, hein, de ce ballon quand même. Oui. Ouais, c'est tellement dur sur l'homme. Le contre énorme de Jaron Blossom Game. Ouais. Sur chute. Je reprends, on va plutôt se concentrer sur cette petite passe à Mike James et à Appleby. Et lui était bien connecté. Et derrière la faute. Face à Mike James. Cameron McGusty. Mike James qui a très bien défendu. Et Cameron McGusty. Avec le backdoor là de Kobo. La fixation, la petite passe. Malheureusement, il était resté trop longtemps dans la raquette, Blossom Game. Alors là, s'il met un shoot, le momentum, il est clairement. Voilà, regardez, ça c'est le, son shoot. Regardez, et le, voilà. C'est Nicolas Lang, évidemment. Et voilà. Appleby qui cherche la solution. Appleby qui la trouve. Face à Mike James. Ça a permis de trouver une option. Et l'option, c'était d'aller en costaud au panier face à Mike James. Il a... Strazel. Brown qui va trouver Blossom Game qui en deux temps contrôle les montres. Il va jouer là. Pchekovski qui essaie de rester attentif face à Elio Kobo. Et trop fort. Elio Kobo trop fort. Il n'est plus pour ça. Il était moins sur ses bases. Hein. Strazel s'est échappé. Ouais. La compréhension entre Nenadic et Chassant. Lang va chercher Appleby qui se décale. Appleby. On lui a fait la place, il marque. Valérie Appleby, voilà peut-être. Il n'a pas l'air bien costaud comme ça, mais je pense qu'il est bien gainé parce qu'il peut bien marquer. Et finalement, John Brown, le guerrier. Encore lui. Là, il y a Blossom Game hein, qui veut son, le post-up. Son McGusty. Blossom Game qui se fait voler le ballon dans les mains. Dans les mains de Kobo, qui va foncer. Et rien du tout, Magusti qui récupère, Lang qui sauve, Magusti encore, exceptionnel. Répression du CSP. Mike James qui calme et qui décide de se remettre au post-up. Il est plus costaud. Et il va obtenir panier, faute incroyable, Mike James. Et Léo Kobo, toujours le meilleur marqueur pour l'instant de sa formation avec 14 points. Ah, la bonne passe et la conclusion. Ouais. En plus, c'est, voilà, ce sont des joueurs qui ont joué ensemble pendant maintenant la troisième saison ensemble. Là, sur le terrain, il n'y a que des joueurs qui sont là depuis 2021. Chassant qui marque, ils n'ont pas forcément aussi beaucoup profité. Et Limoges n'est pas forcément beaucoup plus grand. Hein. Chassant et Tissou ne sont pas beaucoup plus grands. Allez, un ballon en vitesse pour McGusty. C'est pas possible pour le CSP là. Ah ouais, ça, c'est vraiment dommage. Hein, trop de raté. Toutes les opportunités de faire un petit peu trembler Monaco. Ça repart sur le post-up de Mike James, mais directement Chassant vient en trappe. Mike James, cette fois-ci, va se faire sanctionner logiquement. Ah, clairement. Et c'est dit, regarde, il est en train de me griffer encore une fois. Colby qui est bien resté au sol pour montrer que Mike James avait sorti. Ah ouais, on voit encore les griffes, mais il est. Il faut. C'est pas les tatouages on les voit bien, les griffes. C'est un loup-garou. C'est incroyable. Appleby ou quoi? Je peux vous dire. Il se coupe pas les ongles avant les matchs. Hein. Ah, ça manque encore de. Ah, c'est vraiment un match de reprise. Hein. Ça manque. Il aurait beaucoup de shoots ratés. Nicolas Lang pour un dernier espoir peut-être. Ouais. Dernier espoir s'est envolé.
la dernière minute et Monaco qui va très probablement l'emporter en Limousin. Beaucoup trop de mauvaises chutes à 3 points malheureusement. Alpha Diallo qui va être contré quand même par Chassan et derrière mettre le panier. Il reste une seconde 6, messieurs. On va faire la remise en jeu côté Limoges. Voilà qui est fait. Monaco qui s'impose. 72 à 59. La défense du titre commence par une victoire pour les Monégasques. À Beaublanc.